Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Allons-y. Quel est le message? Bon, on me présente le super-héros. Enfin. Enfin. Bon. Courage. On fait preuve de courage. Est-ce que ça concerne un enfant? Est-ce que c'est l'enfant ici qui fait preuve de courage? On nous présente le héros. Héroïne. Enfin, on fait face à nos peurs concernant un enfant. Continuons d'explorer. Ça implique un enfant. Nouveau commencement, changement, nouveau début, nouveau départ, partenariat et alliance. Entraide. On fait équipe. Je te soutiens. On est prêt à soutenir. On est prêt à soutenir un enfant? Peut-être. Allons-y. Espoir à l'envers et tromperie et envie. Bon, ici, il y a eu abus de confiance. On n'a rien vu. Tromperie et envie. On ne veut plus ici. J'ai l'impression qu'on veut rétablir. On veut être vrai. Bon, on veut se démasquer, révéler la vérité, espoir à l'envers. Il y a eu abus de confiance ici. Il y a eu trahison. Je vais déposer une carte. Une perte de repère. Confusion. On ne veut plus ici. On dirait qu'on ne veut plus jouer à ce jeu-là. J'ai besoin de comprendre encore. On ne veut plus travailler ensemble en ce jeu où il y a tromperie, ruse. C'est un travail d'équipe. On ne veut plus ici jouer à ce jeu-là. On ne veut plus travailler en ce sens, abuser de la naïveté, de la confiance des gens. Ici, il y a découragement, une perte de repère. Peut-être aussi qu'on perd les alliés, on perd l'équipe, on perd les appuis. La carte de la tentation et mouvement positif vers l'avant à l'envers. On ne désire plus continuer en une certaine direction. C'est la carte aussi qui me parle d'artistes, abuser des artistes. Ici aussi, de la sensibilité de l'artiste. On a profité ici, on a trompé. Il y a des jeux ici au niveau
C'est un travail, tromperie, ruse. Quoi d'autre? Pour répondre à des désirs, c'est très charnel, énergie sexuelle. On ne veut plus s'y continuer en ce sens. On désire arrêter un mouvement. Il y a une perte d'appui, de collègues, d'associés. On a abusé ici de la confiance ou de la naïveté, la candeur. On a abusé de certaines personnes pour combler des désirs. On peut me parler aussi de désir, désir. La carte de la tentation nous parle aussi de luxe, d'argent. On est à l'aise financièrement. Et c'est la carte qu'il utilise ici. On a, d'après moi, il y a un manque de respect envers c'est la sensibilité artistique que je ressens. Attendez un peu, je vais clarifier. C'est comme si on faisait de l'argent sur le dos des artistes ou le dos de... Mais il y a quelque chose en lien avec la sexualité, l'énergie sexuelle. Répondre à des désirs. C'est très charnel. On ne veut plus continuer ce mouvement. Il y a quelque chose qui freine ici. On ne veut plus continuer d'avancer en cette direction. Et on nous parle de nouveaux départs, nouveaux partenariats. Et ici, c'est comme si on venait à la rescousse d'un enfant. Ou c'est un enfant ici qui fonce et qui emprunte une nouvelle direction. C'est notre enfant ou... Ça demande de faire preuve de courage, dépasser des peurs. Ici, nouveau partenariat. On change, on ne peut plus et on ne veut plus continuer en une certaine direction. De toute façon, le mouvement est freiné. Il y a ruse, mensonge, manipulation, abus de confiance. C'est un travail d'équipe. On est prêt à emprunter une nouvelle direction. Un nouveau partenariat. Soutenir une nouvelle cause. On change, on est prêt à changer de direction. Fidélité, fidélité à soi, fidélité, honnêteté, loyauté, partenaire de confiance. On change de partenariat. On s'associe à une personne de confiance, loyale. C'est un changement, un nouveau départ. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener encore, mais on est prêt. La carte de la fidélité me parle de... confiance. Fidélité à soi et à l'autre. Ici, c'est la fin. On emprunte une nouvelle direction. Choix. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveau début. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques,
Alors, les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.